Je me présente, je m'appelle Cédric et je serai votre assistant réalisateur et bien pour le tournage de Sort, le dernier tournage. Merci. Alors, ce soir, le tournage, comment ça va se passer? Ça va se passer en deux parties. Alors, une première partie ici, on sera ensemble à peu près 2h50, hein, le temps de visionner les rushs et de faire un petit montage du film. Et puis après, on ira sur le plateau, le temps du make-up, VCH costume interview. Ça durera 5h, ça va? On valide. Et après, il y aura Ben Affleck et Bruce Willis à la fin. Non, c'était une petite blague. Donc ça va vraiment se passer en deux parties. 10 minutes ici, le temps d'un petit briefing. Et juste après, on ira tous ensemble sur le plateau où là, vous allez jouer une scène supplémentaire et bien du film Armin. Impeccable. Allez, on y va, c'est parti. La régie, est-ce que tout est ok? Ok, allez, on y va. Vous êtes prêts, hein? Action. Qui va se passer tout à l'heure sur le plateau. Est-ce que ça vous a mis dans l'ambiance? Ouais. Alors ce soir, vous allez tourner une scène du film Armin. Ouais. Attendez, vous êtes bien les acteurs, vous voyez pas le casting, j'espère. Ouais. Bon, ça va, je vais faire de vous quand même deux vraies stars. Donc ici, puis on parle d'effets spéciaux et je vous ai vraiment pris une scène spéciale, un morceau de choix. Mais ça, on va y revenir juste après. Donc sachez que c'est sur le plateau des effets spéciaux que l'on réalise les plus beaux tours de... Magie! Absolument, les plus beaux tours de magie, et on est capable de nos jours, et bien grâce à la magie des effets spéciaux, de réaliser tous les rêves des cinéastes. Et il y a à peu près 100 ans, il y avait un jeune réalisateur français qui s'appelait Georges Méliès. Super, Georges Méliès qui donna naissance à ce nouvel art. Et c'est parti, et bien maintenant, sur l'écran central pour plusieurs extraits de films. Et le but du jeu, et bien c'est de tous les retrouver, et à la fin, vous aurez un invité surprise. Et bien la région t'attend, c'est quand tu veux. To take us anywhere we can imagine. How about that? It is a small world after all. It's big as Texas.
was headed right for it. Hard to believe this killer asteroid began life as a harmless little styrofoam bottle. But with some amazing computer enhancements, it became a rock with a really bad attitude. Of course, it was no match for the world's best deep core drillers. That's me, right there. The cubicle. But while my buddies and I were blasting through space to save mankind, we had a whole team of special effects artists fighting us off. Using a combination of classic movie-making tools and leading-edge technology, they created the X-71 space shuttle, and then launched us on a slingshot around the moon. Crash landing on a killer asteroid, no problem. They even gave us a mean dune buggy to drive around in. In the end, we were able to blow that asteroid off course without ever leaving the safety of the Walt Disney Studios in California. Of course, it's not always so easy. Sometimes actors have to be right in the middle of the action, and on a movie like Armageddon, that can be very exciting in a terrifying kind of way. But you don't have to take my word for it. They're ready for you on the set. I think I'll just sit this one out. But you know, there's nothing to worry about, really. There's nothing to worry about, right, fellas? Merci, my friend. Allez, passons donc à la dernière matière sur le plateau de tournage. Donc aujourd'hui, vous allez tourner une nouvelle scène, une scène supplémentaire qui sera, eh bien, la 85A, l'attaque du météore géant, eh bien, qui fonce tout droit vers la Terre. La régie, est-ce qu'on pourra avoir, s'il te plaît, eh bien, le clip de l'acteur principal ? Le voilà, l'acteur principal, le météore géant, eh bien, qui fonce tout droit vers la Terre. En fait pas, vous serez à bord de cette station spatiale russe où vous jouerez les membres de l'équipage à l'intérieur et on va se connecter en direct avec le centre de contrôle sur le plateau de tournage. Voilà, connexion établie avec une de nos caméras. Alors vous aurez vous à l'intérieur deux interprètes. Il y aura déjà l'ordinateur parlant, l'ordinateur de bord. Ordinateur, est-ce que tu peux nous faire un petit scan rapide s'il te plaît? Eh bien pour savoir si tout fonctionne correctement. Système biologique, non. Eh, c'est super. Merci, ordinateur. De rien. Eh bien, avec vous aussi, bien le colonel Andropov, un cosmonaute russe. Bonsoir, colonel. Good morning. Eh, on dit bonsoir au colonel. Bonsoir. Ouh, on dirait qu'il a passé un peu trop de temps dans l'espace, mais ne vous inquiétez pas, il sait ce qu'il fait normalement. Donc aujourd'hui est un jour, comme les autres à bord de la station, quand tout d'un coup, eh ben, il y a un gros météore géant qui fonce tout droit vers... La Terre est alerte, vous serez pile sur sa trajectoire. Le tableau, il est dressé. La Terre, le gros météore est entre les deux dans le petit rond jaune, la minuscule station où vous serez tout à l'heure. Alors, comment vous allez jouer la scène? Vous allez la jouer plutôt soucieux à votre ami? Oh non. Non. Héroïque comme Spider-Man? Non. Alors, pour jouer la peur, la régie, le clair, s'il te plaît, sur nos acteurs. Alors, très, mais alors très compliqué. Allez, on essaye. Un, deux, trois. Tous les acteurs mieux que ça. 1, 2, 3. On est pas mal. La régie 85 à l'attaque du météore. Il nous faudrait la séquence avec toutes les explosions, s'il te plaît. La régie, merci. Allez, on y va, c'est parti. C'est un panneau. 1, 2, 3. Merci, donc vous allez pouvoir maintenant qu'il y a des explosions. Donc faut réagir face aux explosions. Et ben il y a un réflexe à avoir, il faut se protéger, il faut faire. Ouais, il faut faire comme ça, ok. Donc à 3, vous faites le réflexe. 1, 2, 3. Très très bien les acteurs, on tient la scène. Alors maintenant je veux voir la panique totale. 1, 2, 3. Alors on commence une fois. 1, 2, 3. Et vous connaissez le texte, alors commence. 1, 2, 3. Franchement, mais vous êtes parfait, même Bruce Willis ne ferait pas mieux. Alors attention, parce que sur le plateau, c'est de l'action non-stop. Regardez devant vous, derrière vous, à droite, à gauche, en bas, en dessous, ça va exploser, ça va péter de partout. Donc regardez bien tous les décors autour de vous. Et ben là, Réa, tu sais quoi, ils sont prêts pour aller jouer la scène. C'est quand tu veux. Attention, tous les acteurs sur le plateau. Allez, c'est parti, c'est à vous de jouer maintenant. Les acteurs vont être prendre le couloir centre-gauche qui amène au plateau de tournage. Bon courage, c'est parti. Merci.